retrouve pour essayer ensemble le Foreo Bear ou le Bear de Foreo. Bonjour, je suis Adeline, je me présente. Je suis enseignante et chercheuse en littérature médiévale. Le jour, mais la nuit, je me transforme en influenceuse beauté, mode, lifestyle et modèle. Et je me propose de vous faire découvrir toutes mes propres découvertes beauté. Alors, j'ai trouvé ce Foreo Bear sur le site de Notino. Et dont je suis partenaire, et du coup j'ai eu très envie de l'essayer. Donc Bear, vous comprenez pourquoi, parce que il a deux petites ici électrodes qui sont arrondies et qui font que quand on le voit ainsi, il ressemble un peu à une tête de nounours. Et j'avais très envie de l'essayer parce que je crois de plus en plus en fait à la stimulation et à la relaxation des muscles pour conserver la beauté du visage le plus longtemps possible, qu'il y ait ou pas des rides, peu importe. C'est surtout en fait finalement je trouve l'architecture interne du visage qui compte, et ce type d'appareil c'est exactement ce qu'il me faut pour ça. Et vous le savez, donc j'ai déjà essayé plusieurs appareils de la marque Foreo. Je vous ai déjà présenté le UFO, donc vous savez, ce qui sert à potentialiser les masques et à accélérer la pose des masques tissus. Également, j'ai essayé aussi l'iris de Foreo, donc qui est le masseur yeux et qui est très très efficace, dont je vous avais déjà parlé. Et là donc j'avais du coup très envie d'essayer donc ce Foreo Bear, et du coup je remercie beaucoup Notino de m'avoir permis de le faire. Alors je vous montre, donc, comme toujours c'est vendu dans des coffrets qui vous permettent éventuellement ensuite de le ranger comme ça. Vous avez aussi dans le coffret une pochette de transport assortie à la couleur de votre appareil. Vous avez le cordon de rechargement, pas la prise USB elle-même, hein, mais le cordon de rechargement adapté avec le bon adaptateur. Là, bon, évidemment, une notice d'emploi. Et vous avez ici donc une pochette de sérum Foreo, donc, qui est spécifique, mais on peut l'utiliser avec n'importe quel sérum. Et surtout, non, ne pas perdre à l'intérieur de la notice ceci. C'est votre QR code qui vous permet d'enregistrer votre appareil Foreo dans l'application Foreo qui est ici et qui vous permet de faire fonctionner l'appareil. Donc c'est pas un gadget, hein. Non seulement vous enregistrez votre appareil pour la garantie, mais ensuite donc vous avez donc tous vos appareils Foreo ici, et c'est avec votre téléphone que ça fonctionne. Donc, attention quand même, parce que voilà, si vous êtes anti-téléphone portable, anti-smartphone, ça va poser problème. Donc ici, pour le Foreo Bear, j'ai téléchargé l'application. Enfin, j'avais téléchargé l'application auparavant. J'ai enregistré mon appareil. Et donc là, je suis sur l'écran de contrôle du Foreo Bear. Alors, vous avez les informations sur votre appareil. Vous avez des informations sur comment utiliser votre appareil. Donc là, on vous explique. Vous nettoyez et séchez votre visage, vous sélectionnez votre traitement de micro-courant, vous appliquez le sérum et vous appuyez légèrement les électrodes sur votre visage. Voilà. Ensuite, vous avez l'entretien de votre appareil. Donc vous avez, voyez, une espèce de notice en ligne. Vous pouvez aussi trouver votre appareil. Alors ça, je vous montre. Voilà. Voilà, ça vous dit que votre appareil est là, il est trouvé, donc ça peut être pratique. Et maintenant, donc, il y a les différents traitements. Donc, Total Facial Knockout, durée 2 minutes 50, relevez le défi avec cet entraînement de haute intensité pour une peau globalement plus ferme et sculptée en quelques minutes. Le contour cardio, c'est 2 minutes 10. Relevez le défi avec cet entraînement de haute intensité. Et ensuite, le Gentle V-Shape Yoga. Relevez-le. Là aussi, donc c'est pour sculpter le visage. Alors, je ne sais pas trop. Total
Facial Knockout. C'est compliqué, il faudrait que j'essaye un peu les trois pour vous dire la différence. Donc je vous propose qu'on essaye. Voilà, hein, on va essayer tout ça. Donc cliquez pour télécharger, on va commencer par le premier. Hein. Donc j'applique le sérum. Là je vais utiliser celui de Foreo du coup. Et donc là, vous voyez, j'ai téléchargé le traitement. Là je vais marquer donc commencer le traitement. Là, on me demande de choisir l'intensité des micro-courants. Donc, j'ai le choix de 1 à 10. Là, je suis à 4. Écoutez, d'emblée, c'est à 4. Je vous propose de rester à 4. On va voir ce que ça donne déjà. Et après, on verra. Et je peux avoir le T sonique, vous savez, donc les vibrations soniques en on ou en off. Donc là, je vais le mettre en on pour tout avoir d'un coup. Allez, on met début. Le traitement commencera dans 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0. Ah zut, bon là on m'indique qu'il faut que je mette le sérum. J'ai pris de l'avance. Hein. Donc vous avez une petite musique relaxante, ça gâche rien. Vous pouvez la couper aussi, hein, si le matin vous ne voulez pas réveiller tout le monde. Ah, et ça commence à vibrer. Donc là, ça m'indique que, vous voyez, je dois faire des mouvements ainsi, donc sur une joue. Donc là, sur le front. Alors autant sur les joues, je sentais pas les micro-courants, autant là, je les sens un petit peu plus. C'est plus sur les zones plus osseuses que je les sens, mais ça ne s'applique pas à rien. Et par contre, on sent surtout les vibrations soniques et ça fait vraiment un massage assez... Alors c'est très agréable, c'est très doux. C'est comme une espèce de, encore une fois, de super gua sha amélioré en fait. Le fait en même temps. Donc voilà, j'ai terminé le premier traitement. Alors, c'est pas du tout douloureux, on sent pas de courant, ça j'ai un peu peur, j'avoue. On n'a pas l'impression, vous savez, de s'électrocuter, je vous rassure. C'est hyper agréable. Qui aime beaucoup le yoga du visage, je trouve qu'on retrouve beaucoup les mêmes manœuvres que celles que l'on fait pour redessiner l'ovale du visage en yoga du visage. Donc je suis en terrain familier si vous voulez, mais avec une très grande facilité d'utilisation et les suppléments de l'appareil, c'est-à-dire les micro-courants et les vibrations soniques en plus. Donc évidemment, vous décuplez en fait les mouvements qu'on peut faire d'habitude d'automassage en yoga du visage, c'est comme si vous les potentialisiez en fait, et du coup, évidemment, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps parce que forcément, le yoga du visage, des fois, on a un peu tendance à sauter la séance parce qu'on n'a pas le temps. Alors, ça, c'était le premier. Total Facial Knockout, donc là je vois tout, vous voyez, c'est une espèce de, pour dessiner tout le contour du visage comme ça. Donc je vais essayer les deux autres, donc là c'est le contour cardio, on va voir la différence, je vais essayer de vous la décrire. Donc je télécharge, donc là je vais mettre les micro-courants au maximum pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai fait la séance qui s'appelle contour cardio et je me demandais si ça allait pas être à chaque fois un peu des doublons, mais non en fait, vous voyez ça, autant l'autre c'était vraiment tout le contour, là ça cible beaucoup plus le bas du visage, les lèvres en fait, le contour de la bouche
Et le sillon nasogénien, donc très clairement, c'est axé là-dessus. Donc moi, je vois une nette différence. Et là, pour le coup, les micro-courants, les mettant à 10, on sent des tout petits picotements comme ça. Le long, je vous rassure, ça fait pas mal. Hein, mais on les sent, là, cette fois. Donc vous avez vraiment la possibilité de ne pas les sentir, pratiquement pas, ou alors de les sentir. Allez, dernier programme, le Gentle V-Shape Yoga. On va voir. Je télécharge. Donc j'ai terminé les trois programmes, les trois sont vraiment très complémentaires. Il y en a un qui est vraiment, le premier est très très global, il fait vraiment tout le contour. Le deuxième axe vraiment sur le contour des lèvres et sur le sillon nasogénien. Le dernier vraiment sur le cou et l'ovale. Donc en effet, bah, quand ils appellent ça le V, hein, c'est tout à fait ça, hein, c'est la V-shape, c'est la forme en V, donc pour redessiner l'ovale du visage ainsi. Donc ce sont vraiment trois programmes hyper complémentaires et donc je vous dis vraiment, je suis très très contente parce que je retrouve exactement ce que je cherche en yoga du visage, mais en façon accélérer et potentialiser. Donc moi, c'est exactement ce que je cherchais et ce qu'il me faut. Donc je suis extrêmement contente de cet appareil qui est très agréable à utiliser, dont on sent l'efficacité. Et donc vraiment, bon, il est un petit peu cher. Il coûte environ 300 euros. Mais là, ça va être le Black Friday. Donc c'est vraiment l'occasion de se le procurer. Moi c'était sur le site de Notino. Je regrette pas du tout mon choix. C'est vraiment un très très chouette appareil, vraiment, qui fait gagner beaucoup de temps. C'est pas du tout un gadget, hein. Vous voyez que par exemple les zones qu'il cible, non seulement il y a de la stimulation des muscles, mais c'est aussi, vous savez, les micro-courants chez les kinés, vous les utilisez aussi pour relâcher les muscles. Or là, vous avez ici les masséters qui s'insèrent là, et c'est très très souvent tendu parce qu'on est très souvent au stress, en fait, vous réagissez en serrant là les muscles qui sont là, ils sont contractés, et ça crée des rides et ça crée aussi donc des déformations sur le bas du visage. De la même façon que là, c'est la crispation des muscles, des zygomatiques, des pommettes et là du nez qui crée les sillons nasogéniens ici. Et pareil pour les muscles de la bouche, le muscle rond de la bouche qui est un comme une espèce de sphincter en fait. Là, c'est pareil, il faut les détendre. Et en fait, les micro-courants chez les kinés servent pas forcément seulement à muscler comme les appareils d'électrostimulation qui font se contracter les muscles, ça les décontracte aussi. Et c'est à ça aussi que sert cet appareil, en plus du massage. Si vous voulez, les micro-courants vont aider à relâcher les muscles du visage. Donc vraiment un super super appareil, je suis très 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 contente. Et donc je vous le conseille vivement. Encore une fois, ce n'est pas parce que je reçois gratuitement un produit que j'en dis du bien. Et là, encore une fois, je suis très satisfaite de cet appareil de Foreo. Donc c'est peut-être l'occasion de profiter du Black Friday pour préparer Noël, soit pour offrir ce cadeau, soit pour vous le faire offrir, parce que franchement, je pense que ça vous sera très utile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.